beaucoup de monde qui arrive dans ce stade. La tête de Vandenberg. Allez, il faut presser sur ces joueuses comme elles le font sur nous. La récupération de Jenny Le Sommer. C'est un bloc relativement compact. Et on attend beaucoup de Louisa Messive aujourd'hui. Allez, Louis. Il est au second poteau, Camille Abili, c'est contré. Et ce sera de une main d'ailleurs, me semble-t-il. Et un coup aérien, elle est extrêmement efficace, Wendy. Allez. Je ne sais pas si ça a été. Par ces néerlandaises. Oh, c'est bien combiné tout ça. On retrait derrière. La frappe. La fin d'intervention de Sarah Boisdi. Allez, Sarah. Et on va revoir tout ce charnière central tricolore. Il faut dire que ça a été très bien combiné. Elle est partie dans le dos, Sabrina. Après, elle se retrouve à deux au deuxième poteau, tout seul. Très belle intervention de Sarah, heureusement. Ouais. Et au deuxième poteau, elles sont deux. Allez, c'est là où il faut aller vite. Allez, les filles. Ouais, Eugénie qui replique à l'intérieur. Il y a Marie-Laure Delis à droite. Marie-Laure Delis. C'est centré, c'est contré. Défense néerlandaise par leur vitesse. Allez, Marie-Laure qui s'est bien écartée. Qui a voulu remettre ce ballon dans l'axe plante, dans la surface. Il y a la tête de Marie-Laure Delis pour s'appuyer. Allez, c'est un peu derrière elle. Certaines du monde, il y avait eu plus de réussite. Absolument. Sur les Jeux Olympiques. Malheureusement, elle a pas un bon timing. Il y a vu Gaëtan Tiné, il est parfait, le ballon de Gaëtan Tiné. L'accélération, ah, elle a oublié le ballon. Voilà, ah ouais, là c'était une très belle action à deux, à trois, ballon en profondeur pour Gaëtan. Et au manquement, frappe. C'est frappé la tête. Oh, il y a Marie-Laure Delis derrière. Camille Abili qui ne va pas pouvoir récupérer ce ballon. Attention, Laurent Georges. Laurent Georges face à Schmitt. Schmitt, Laurent Georges. Le bon travail de leur boulot, c'est pas terminé. Attention du coup à droite, là-bas il n'y a plus personne. La frappe, elle s'est trop croisée. Décalage des Néerlandaises pour Van de Ven. Vous voyez toute la difficulté qu'on a eu à récupérer ce ballon. C'est bien joué là. Un joli geste de Lieke Martens. Ouais, qui a pris de vitesse. C'est l'heure de ligne, alors qu'on va revoir cela. Ouais, il y a pénalty là. Hein. Ouais, il y a pénalty. Ouais. Et je crois que le ballon du tout, au contraire, elle prend le pied de Jenny. Ouais. C'est sans, bon, en tout cas, si là, il n'y a, hein. Si là, y a pas pénalty, il n'y a pas pénalty pour le Bayern Munich. C'est un petit peu. Regardez, elle a bien levé la tête. Et la gardienne qui recule, qui fait 2-3 pas en arrière, je peux vous dire que c'est compliqué. Elle fait 2-3 pas, elle fait une belle claquette. Elle était juste sous la. Elle est dans la profondeur avec Félix. Félix avec Sabrina de la joie et leur boulot. Oui, la vitesse de leur boulot. Un petit peu en difficulté. Et Laure qui est bien venue couper derrière, qui est bien venue l'aider. Ça aussi, c'est une belle solidarité de la défense. Ouais. C'est bien combiné. Ça, c'est toujours dangereux, la sortie. Eugénie Le Sommer, la petite frappe. Elle est en déséquilibre au moment de la frappe. Excusez-moi, l'écran. Mais ça avait bien combiné devant, ça avait bien bougé. Et passe l'épaule, elle se retourne. La frappe du gauche de Marie-Laure Delis qui passe au-dessus. Même si elle était dans une position délicate. Ah, mais là, l'arrière ne voit pas plus le ballon qu'elle. Elle le cherche, vous voyez. Marie-Laure qui arrive bien à s'en défaire. Avec, qui passe sur son bon pied qui est du gauche, mais qui arrive quand même à mettre une bonne frappe. Il y a une main d'ailleurs. Et il passe pas loin du cadre. Cette frappe de Marie-Laure Delis, sa puissance. Et Dieu sait qu'elle est. C'est une grosse action tricolore. Fauberan, la baguette pour le corner. On va revoir ça sur ce ralenti proposé par Dominique Brecht. Elle a pris, ouais, elle a pris une semaine surtout. Prenant cette position, les Néerlandais. Les deuxièmes ballons, vous voyez, on n'y est pas là. Julie, soyez.
1,66 m. Ça sera bien, et heureusement, pas trop de dégâts, mais attention. Balage avec Schmidt. Schmidt qui a levé la tête. Et une balle. Absolument, il reste pas fini. Sortie autre que tout à l'heure. Attention. Ah oui, on voit bien la main de la main dans Georges. Elle est indiscutable. En même temps, on a refusé tout à l'heure un pénalty à la France. On va dire que ça fait un partout dans les erreurs d'arbitrage. Et là, la bonne parade de Sarah Boigny. Mais les Néerlandaises qui poussent. Titulaire dans ces matchs de qualification. C'est la deuxième meilleure buteuse du championnat des Pays-Bas, Schmidt. Et Bruno vient de rappeler Jessica Ouara. Première apparition. C'est les mots. Attention encore à ses coups francs. Poteau. Et encore tiré par Schmidt. Très tendu ce ballon, Sarah Boigny. Sur le côté gauche. Marie Ordeli. Allez, il faut y aller, faut du monde dans la surface. Face à Costa. Ah, il faut se battre, Julie Soyer. Ah, Eugénie Le Sommer, la frappe. Et le but d'Eugénie Le Sommer qui sauve véritablement. Un peu de la gardienne quand même qui n'a pas été impériale. Même si la frappe était belle, elle était lourde. C'est ça les grandes joueuses. On l'a pas vu ou quasiment pas pendant 86 minutes. Une frappe, une. Et Eugénie fait la différence. Ouais, la gardienne, même si la gardienne n'est pas totale. Eugénie, à 1 minute 30 de la fin de cette rencontre, Le Sommer s'est frappé. Il n'est pas cadré.